Dimelo Todo pour Tarmac, let's go, interview backstage. Grrr. Diplomatique, c'est à vite le diplomatico. Ça se voit que c'est moi qui t'ai piqué. Mon avion, plus personne au bigo. 4-4, pas diplomatique, c'est à vite le diplomatico. Ça se voit que c'est moi qui t'ai piqué. Mon avion, plus personne au bigo. Bah là, en fait, je suis arrivé avec une petite équipe. Mais parce que le lendemain, vu qu'il y avait Slimka qui jouait, on a rameuté tout le monde le dernier jour, tu vois. Du coup, on est venu, on était, ouais, 10-12 ans. Je viens du Maghreb, pas de Bethlehem. 147 LBPM. Comme une petite enfile les ken. Je suis dans la street me guette. Elle veut me freiner. Non, je viens direct parce que moi, j'aime trop les gens. J'aime trop le monde. J'aime trop sociabiliser, parler, tu vois. Tout l'hiver, on est là, on est enfermé. Il fait beau, faut profiter, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que c'est la rentrée de classe, tu vois. Ça parle de conner de teaser. Réactif sur mes actifs. Il faut que ça se monétise. Pas les couilles de ton estime. Non, en fait, moi, je pars du principe où y a pas de classe sociale, donc moi, je parle à qui je veux, quand je veux, tu vois. Pour moi, que tu sois Quinri, français, espagnol, pour moi, tout le monde est au même stat, en fait. Y a que des humains autour de moi. S'il y a un feeling, il y a un feeling. S'il y a pas, pas grave. On continue notre vie, hein. Réou, 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 t'en as plein les narines comme au Pérou. Faut même pas que tu t'affiches, t'es vu au fond de la piste, t'as collé la petite comme un chao. Et puis ramener la petite. Bien, tu vas m'échauffer la voix, faire des grrr, brrr, brrr. Des trucs comme ça, tu vois, histoire de chauffer ma gorge avant de faire le show, tu vois. Ouais, mec. Pour le Harry, pour la Maleta, je vais pas canner devant l'idole. Faut que je m'occupe de mon people. Yeah. T'as fait le fantôme comme dans Beatles. Yeah. Yeah. Ouais, pas un petit verre, pas trop abusé. Parce qu'après, on oublie les paroles et c'est pas cool. Surtout bourré. Et ouais, mon pote. Quand j'oublie les paroles, je fais quoi? Je dis, écartez. Et j'attends que le refrain arrive. Boum, en fait, tu vois. J'ai des techniques. Quand j'oublie les paroles, tu vois, j'ai des techniques, ouais. J'suis dans mon biz, ils me font la bise. J'vois leur vis à des kilomètres. Ah oui, au fait, le masque tombe, c'est bizarre. Tu dois du cash, mais la seconde d'après. Chef Khaled. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Ah, Chef Khaled, je rêve de le croiser, de le rencontrer là. Je dirais que je suis fan de toi, mes parents sont fans de toi, mes grands-parents sont fans de toi. Voilà ce que je lui dirais. Équipé nouvelle, repêche mon poche-tard. Ta bug qui est calé dans la goyard. Le videur qui m'en connaît, voilà Audemars. Bah là, regarde, hein, petit Adidas. Petit pantalon designé par le nom ici présent, j'arrive pas à lire, c'est à l'envers. Ça, c'est un designer de Anvers. Petite lunette, Bilal Choutri. Le outfit d'aujourd'hui, la sapologie exactement. La vie est exécrable, impie-toi pas sur ton sort, malheureux que c'est, j'étais là. Même si des fois je pète des câbles, je me dois de rester calme, pro. Bah, une fois, bah, j'étais à un festival, ça s'appelle Montreux Jazz. Et c'était le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Et j'ai rencontré Quincy Jones. Et ouais, et je lui ai parlé pendant 3 heures. J'étais posé avec lui, c'était lourd de ouf. On a parlé de plein de choses, du Maroc, on a parlé de de musique, on a parlé de longévité, on a parlé de plein de trucs. Dans ma mémoire à jamais, exactement. Pas besoin d'en faire une tonne, faut que je la baisse dans le Delhi-ton. Je lui cache comme Frank Lucas, comme Denzel Washington. Je pars dans le principe où tout peut s'arrêter demain. C'est-à-dire, moi, je repars. Quand ça finit, là ça finit ce soir à quelle heure? À 1h, 1h30. Je partirai à 1h30 parce que je profite au maximum. Ça fait 3 jours que je suis là, c'est beau. J'ai fait le tour là. Tu peux le voir dans ma voix là. Tu vois, j'ai une voix rauque.